Dans cette vidéo, nous expliquons comment calculer en Excel des probabilités et quantiles se rapportant aux distributions d'échantillonnage vues précédemment dans le cadre, cette fois-ci d'abord en tout cas dans le cadre d'un échantillon IID normal et pour une population de taille infinie. Alors il s'agit de se concentrer principalement sur trois distributions. La normale, la chi carré et la studente. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur la normale, sur le calcul sur la normale. La suivante se focalisera plus sur la chi carré et sur la studente. Alors, pour commencer, rappelons la vidéo sur les échantillons IID en pratique, qui s'était terminée sur l'explication du fait que des données d'une population pouvaient être générées par une loi normale. Normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Comme nous allons le voir, ceci implique l'utilisation des notions de distribution normale, de calcul simple sur cette distribution normale et sur ses quantiles. Fonction de répartition, densité normale, c'est censé être connu à ce stade-ci. Pour information, on rappelle, nous renvoyons vers les deux vidéos sur la loi normale qui reviennent précisément sur ces notions de base. Alors, suite à la vidéo sur les distributions d'échantillonnage, considérons maintenant un échantillon IID où chaque XI est distribué selon une normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Donc voici par exemple dans ce fichier EL32 un échantillon de taille n égale 30 qui provient d'une population infinie de distribution normale 84 pour ces deux paramètres, 80 pour la moyenne et 4 pour la variance. Alors, dans ce cas, nous savons exactement que cet échantillon-là a été généré et provient d'une normale 84 parce qu'il a été généré numériquement par une procédure particulière sur laquelle nous ne nous étendrons pas ici. Donc, il pourrait s'agir de prix, hein, il pourrait s'agir de prix de location comme ceux que nous avons vus dans la base Airbnb, quoique, bien sûr, les prix ont peu de chances d'avoir autant de décimales d'une part, et puis d'autre part, l'hypothèse de normalité, elle est très discutable dans la base Airbnb, comme nous le verrons encore beaucoup dans la suite de ce cours. Voilà. Pour l'illustration, maintenant, pour concrètement les calculs, de quoi s'agit-il? Nous avons donc notre échantillon de taille 30. Nous avons calculé une moyenne estimée 80,05 et une variance 4,22. Vous voyez que ces quantités ne sont pas très éloignées des quantités de mu et sigma carré 80 et 4, qui sont les moyennes et variances de la normale correspondant à la population de laquelle a été extraite cet échantillon. On nous demande la probabilité que l'estimateur de moyenne soit supérieur à 82. Alors l'estimateur de moyenne, c'est quoi? C'est grand Xn bar. Grand Xn bar, nous savons, par les distributions d'échantillonnage, qu'il est distribué selon une normale de moyenne 80 et de variance égale à sigma carré sur n, c'est-à-dire sigma carré 4, n, c'est-à-dire 30. Donc, pour calculer cette probabilité que l'estimateur de moyenne soit supérieur à 82, eh bien, d'abord, je fais 1 moins pour calculer la probabilité que l'estimateur de moyenne soit inférieur à 82, inférieur ou égal à 82, c'est la même chose puisque nous avons des distributions continues, hein, inférieur, inférieur ou égal, c'est la même chose, supérieur, supérieur ou égal, c'est la même chose. Et donc, je dois calculer la probabilité que l'estimateur de moyenne de grand Xn bar soit inférieur à 82. Eh bien, pour cela, je vais utiliser la loi normale n. Le nombre, il s'agira de 82, je l'estime en 82, cette loi, je la calcule, pardon, en 82, cette normale, elle a une moyenne 80 et elle a un écart-type. Alors, sa variance, c'est 4 divisé par 30, son écart-type, c'est donc 2 divisé par la racine de 30. Cumulatif, ça c'est une case qui nous demande si nous voulons une fonction de répartition ou pas. Donc, nous voulons la fonction de répartition normale au point 82, c'est-à-dire la probabilité que xn bar soit inférieur ou égal à 82. Et donc, puisque nous voulons une fonction de répartition, nous indiquons ici vrai. Voilà, la probabilité que l'estimateur de moyenne soit supérieur à 82, c'est très petit comme vous le voyez là, et c'est plutôt rassurant, ça veut dire que les valeurs de l'estimateur de moyenne dans ce cas-ci ne sont pas trop éloignées de 80.
Alors, la probabilité que l'estimateur de moyenne soit inférieur à la moyenne estimée. Ça, c'est une quantité intéressante. Parce qu'ils interviennent là à la fois l'estimateur de moyenne grand xn bar et la moyenne estimée petit xn bar. On va évaluer cette fois-ci la probabilité que grand xn bar soit inférieur à cette quantité-là, la moyenne estimée. Donc le nombre qui se trouve là-bas, il doit s'agir de la moyenne estimée. Et pour le reste, il s'agit de 82 divisé par racine de 30. Et il s'agit toujours bien d'une fonction de répartition. Voilà, la probabilité que l'estimateur de moyenne soit inférieur à son estimation ponctuelle, c'est 0,55, 0,56. Voilà, la moyenne, l'estimation ponctuelle de la moyenne calculée pour cet échantillon-là se trouve à peu près au milieu des valeurs possibles de la moyenne empirique de grand xn. La probabilité maintenant que ma moyenne, mon estimateur de moyenne se trouve entre 78 et 82. Donc ça, il s'agit de la probabilité que mon estimateur de moyenne soit inférieur à 82 moins la probabilité que mon estimateur de moyenne soit inférieur à 78. Donc, j'effectue ce calcul. Donc, je réécris la même chose, espérance 80, écart type 2 sur racine de 30. Je mets vrai. Ça, c'est la probabilité que grand xn bar soit inférieur à 82. Et je vais retirer la probabilité que grand xn bar soit inférieur à 78. Donc, je remets encore une fois, toujours et encore, la même quantité ici, les mêmes quantités dans les différentes cases. Voilà, je pense que c'est correct. Et donc, je peux calculer ici, vous voyez, 0,99999, voilà, l'estimateur de moyenne, il se retrouve quasiment à tous les coups entre 78 et 82. On est pratiquement sûr de le trouver entre 78 et 82. Enfin, la probabilité que l'estimateur de moyenne soit inférieur à x est égale à 0,9. Ça veut dire qu'on nous demande le quantile d'ordre 0,9 d'une distribution normale, de la normale 80 pour la moyenne et 4 sur 30 pour la variance. On nous demande le x qui se trouve là-bas. Eh bien, cela, on va donc aller utiliser la fonction quantile qui se traduit par la fonction loi.normal.inverse en Excel. La probabilité, ce sera 90%, l'espérance toujours 80 et l'écart type 2 sur racine de 30. Voilà, nous avons 80,46, donc ça veut dire que 90% des valeurs possibles de ma moyenne empirique se trouvent sous la valeur 80,46, 80,47. La vidéo prochaine, donc nous traiterons les chi-carrés et les students qui se trouvent ci-dessous.